Mes vrais amis sont... Ouais. Ils sont désordonnés, ouais. J'y ai jamais pensé en fait, mais... Si, c'est vrai. L'Ardenne, à mes yeux, c'est le calme, les sapins, les forêts, des odeurs humides, le brouillard. Quand je suis trop longtemps dans des endroits où il fait beau, je m'en lasse et j'ai envie de brouillard et j'ai envie de ce temps qu'on a souvent ici. Et ma femme me prend pour un fou, mais j'adore ça, quoi. Me retrouver ici, ça m'apaise, c'est moi, c'est chez moi, c'est mes amis. Et j'adore les gens qui disent ce qu'ils pensent, en bien ou en mal, qui félicitent pas forcément. Quand il y a, enfin, pour ma part, par exemple, quand il y a une performance, on se sent juste soi-même, quoi, en Ardennes. Et les gens, pour moi, en Ardennes, sont authentiques, francs. C'est des valeurs hyper importantes et pour côtoyer quand même pas mal de culture, c'est quand même des choses rares finalement. Et j'adore ça, quoi. Donc, pas de fausseté. D'un point de vue purement professionnel, je crois que c'est le meilleur endroit de Belgique et je suis pas le seul à le dire pour les cyclistes. Pas le meilleur endroit du monde, mais le meilleur endroit de Belgique et j'ai tout ce qu'il faut, j'ai toutes les. Tous les terrains et toutes les conditions d'entraînement. Quand j'ai quelques heures à faire, je reviens toujours près de Nadrin, près de La Roche. Il y a toujours dans ma tête des endroits où j'ai envie de passer qui me viennent à l'esprit. Et voilà, je me dis, ok, j'ai autant d'heures à faire, mais j'ai envie de passer là, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça. Il y a un endroit que j'adore en vélo, c'est sur les hauteurs de Durbuy. Là, il y a une vue, mais. Il m'arrive souvent de faire des tours, de passer par là à l'entraînement, exprès. Le panorama là m'a toujours fasciné. Donc ouais, le fait de mettre le vélo en avant comme ça, c'est une bonne chose. Ça va dans l'esprit que l'humanité recherche un petit peu. J'imagine qu'il y aura pas mal de manifestations sympas et j'espère que je pourrai y contribuer.